VOD. J'aime toujours sur Adlénaïne. Enfin, toujours. Je sais pas ce que ça veut dire pour une VOD. Hors live, j'ai trouvé des catacombes. Voilà, ici. Voilà, pour le petit repère. Parce que j'ai continué à explorer toute cette zone-là un petit peu et tout. Et du coup, on va voir. On va voir où est-ce que ça nous mène. Voilà. Bon, j'avais activé le multi. Que j'ai tenté de désactiver. Bah, en fait, il se désactive. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut forcément relancer le jeu pour qu'il se désactive. Ce que j'ai pas envie de faire. Ah oui, non, c'est vrai, faut que je fasse ça. Et autre chose. Oh, il a trop bien esquivé. Ah oui, autre chose, il faudra après, il faudra absolument que j'y pense, que j'aille améliorer mes bâtons. Je dis mes bâtons parce que bah je sais pas lequel je vais choisir à terme. Mais ce qui est sûr, c'est que comme ça, bah, ils font vraiment pas assez de dégâts. Allez, je suis coincée en fait là. Je suis coincée. Juste coincée. Yes. Avec la caméra, je vois rien du tout. Bon. Je visais lui, voilà. Du multi, du coup je vois des gens, ça me fait trop peur. Tout va bien. Oui, j'ai activé le multi parce qu'on a voulu tester avec Royal hier le multi. Ça galère un peu, mais on a fini par réussir à se rejoindre. Non, non. Waouh. Ah, c'est lui. Oh, fou. Voilà, je le mets là. Ah, c'est bien là. Oh la vache! Arrête! Ah, y a que son arme, que son arc, je veux dire. Du coup, il va pas me donner des coups au cac. Ok. Je suis pas focus, je suis pas concentré. Il est de dos? On voit mal sur un squelette. Si, il attaque au cac. Allez, il porte, j'arrive pas. Ouais, je vais me reconcentrer, promis. Oh, mais là-haut, il y a quelque chose. Ah non, c'est qu'une bougie. C'est une superbe bougie. Encore. C'est le multi. J'ai désactivé encore une fois, mais j'aimais le multi, moi. Ok, bah de toute façon, j'ai désactivé, il est resté, donc... quoi faire avec, hein. J'ai envie de relancer le jeu. Moi, ça me stresse un peu, je t'avoue. Ça va toujours, petit infernal loup? Comment il court bizarre. Oh, tu cours bizarre, hein. Non, ça va. Mais ça, c'est un cadavre aussi qui va... Voilà, c'était sûr. Ah non, pas du tout. Je vais dire, il va se reformer. Comme mon arme au cac aussi, hein. J'essaie même pas de la changer, mais c'est vraiment pas le truc le plus intéressant. C'est que pour des trucs comme ça que j'utilise. Mais ça a dit quand j'ai plus de mana, j'ai bien. Oui, c'est toi, ça va être toi l'Oxu TV nous. Oui, ça va. J'ai essayé de dormir un peu, mais j'ai pas trop réussi. C'est pas grave. Fais gaffe, là. Je prends vraiment du dommage pour pas grand chose. C'est un peu dommage.
Il aime pas les blagues. D'abord. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Quand est-ce que j'y vais? Bon, on va explorer de toute façon. Ah, ça sent le plan fion, ça sent le plan fion. Ah, j'ai peur, lui. Porte lourde s'est ouvert quelque part. Ah! Ah! Oh la vache, ils ont spawn, mais voilà, je le savais! Arrête, arrête! Arrête! Ah! Mais. Oh, il est tout bouillant! Il a des yeux qui pétillent! Ça m'a donné des popos? Non hein. Un peu déçu. Je vais pas essayer de les tuer eux. Parce que ça va me gaspiller de la mana vu que on peut pas les achever. Enfin je dois les achever à l'épée. Je peux pas. Ils sont en hauteur, mais par contre en passant par là. Oh la c'est trop exigu, la caméra elle aime pas. Bon. Ok, je peux encore passer là. Pourtant, on m'avait dit, et ça j'ai un peu oublié de le faire, c'est de régulièrement taper sur les murs parce qu'il peut y avoir des trucs cachés. Mais bon, j'ai l'impression qu'on s'est moqué de moi. Et vu que je connais rien au jeu, c'est assez facile de me dire des trucs faux. Et que j'y crois. J'ai plus de méta. Non, je le visais plus. Ah mais voilà. Bon, j'ai tombé. Mais non. Oh, j'ai un sabre. Ah mais c'est une racine. Alors attendez, j'ai eu un sabre. Ah mais il faut que je me... Non, rien du tout. Équipement. Bon bah voilà, je peux pas le mettre. Par contre, j'ai une autre épée, j'ai miséricorde. Ah oui, c'est vrai, elle était pas terrible. J'ai un fouet aussi. J'ai non plus, c'était pas terrible. Je mettrais bien un meilleur shield, mais en fait, je l'utilise pas, alors... Ça sert à rien d'essayer de faire genre. On va pas te dire pour les murs, j'en sais rien du tout. Moi non plus, je sais rien du tout. Alors j'essaie des trucs. La porte ici, c'est ouverte. Mais évidemment, on va aller se reposer. Je crois que j'ai très très peu de runes. Ah mais voilà, je me repose au niveau de l'entrejambe d'un type. C'est pas vraiment du repos, hein. Centre de guerre. Est-ce que je peux enfin mettre... Ah
mais j'en ai... J'en mets un. Arme tournoyante. Arme tournoyante. Je comprends pas pourquoi il me propose une amélioration que je peux pas mettre en fait. J'en ai marre moi hein. J'ai eu des nouvelles cendres, voilà j'ai eu ça. Et ça. Ou ça peut-être, je sais plus. À chaque fois c'est moins bien. Je comprends pas. Et voilà, là ils m'en proposent une mais en fait je peux quand même pas la mettre. Non mais je... Hein. Voilà tant pis hein. Propose où tu veux, ça ne nous regarde pas. Pourquoi tu parles... Pourquoi tu parles entre gens d'un type. Mais non mais là j'ai... Voilà. C'était pas prévu disons. Alors il va y avoir un boss. Ça va être, les... ça va être un chat. Ça va être un chat je crois. Pas du tout. Je pensais que c'était les chats sphinx, ce statut bizarre. Allez-y, mais... Oh, le vache, je lui fais trop mal déjà. Tu te défonces, mec. Pourquoi il était mid-life? En vrai, c'est pas moi, je lui avais mis qu'un seul coup, j'ai vu qu'il était mid-life. Et si ça mais un peu nul. D'accord, j'ai compris. Bon bah ils vont bien le terminer hein. Voilà voilà, c'est fait. C'est facile hein. Oh elle est jolie cette dague. Moi j'aimerais bien avoir des armes jolies. Ah bon ça c'est le genre de truc que j'aurais sûrement dû découvrir plus tôt. Oh un coffre. Peut-être malade. Ah oui j'avoue il était mid-life parce qu'il est malade. Mortefleur. Mortefleur, que fais-je avec ça? J'ai besoin d'apprendre moi. Je vais apprendre le jeu vidéo. Mortefleur. Un truc avec de... Non. C'est pas là. Peut-être ici. Ah le muguet ça fait quoi déjà? Ça renforce les cendres. Ah mais c'est de ça dont je vais me servir pour améliorer mes... Alors les cendres, c'est quoi les cendres ou cendres de guerre? Les invocations ça peut être des cendres aussi. Alors pour moi c'est compliqué. Portefleur. Le clair bestial les traque et les dévore. On va me draguer? Bon. Bon, bon, bon. On va partir, hein. Pas mal ton avocat. Ouais, c'est trop bien. C'est les hobbits, là. Enfin, les semi-hommes. Bon, qui ressemblent pas des masses à des hommes, hein, très franchement. À du côté semi, pourquoi pas, mais semi d'autres trucs. Oh, j'ai pas vu, toi, quand je suis rentrée. C'est inconcevable, notre sainte dernière heure. Répudier ainsi l'appel de l'arbre monde, se complaire dans cette non-mort, quelle abjection. Bah écoute, la non-mort finalement. Pour quelqu'un de pas vivant, c'est ce qui se rapproche le plus de la vie. Ah des gens là-bas, je vais aller les buter. Et après, on verra ce qu'on fait. On va explorer, je crois. Hein. Ah, attendez, j'ai plus de magie. Ah, j'ai de la magie.
Ah non, c'est pas ça que je voulais. Un truc ici, oh, j'ai envie de tenter. Ah mais oui, non mais si. Oui, il y allait, je crois. Oui. Passage éclair, si vous voulez les activer, je vous prête mon humour. Il est tellement mauvais qu'il devient mortel. J'aime beaucoup cette présentation. Écoute, pour le moment... Pour le moment, il ne donne pas envie de me jeter dans le vide encore. Quoique, je vais peut-être me jeter dans le vide, en fait. Ah ! Ouais, ça me sert à rien, c'est ça. Je m'en doutais, hein. Mais je tente une aventure du gaming. En fait, ça me permet juste de descendre, puis de descendre, et hop, j'atterris au niveau du pont, quoi. On le côté, on connaît, le pont. Winnow the pont. Ok, bon. Alors moi je suis... Ah oui c'est vrai, je me coupe la parole mais parce que c'était intéressant ce que j'allais dire. On va aller à la table ronde et on va améliorer notre truc. Semi-homme, semi-robot, c'est ça. C'est bien à distance des non-morts. Oh mais c'est tranquille, à plus forte raison si vous apercevez un nocher parmi eux. Ah, je te montre la porte-fleur. Eh bien... Oh, une inconsciente qui refuse d'entendre raison, hein. Avec un talent indéniable pour arracher les mortes fleurs. Qu'avez-vous de faire votre puissance des bêtes? Oh, c'est quoi? Si vous vous consentez à traquer davantage de non-morts et à leur arracher les mortes fleurs, je vous introduirai auprès de Guranke le clerc. Je suis chiant, ces noms aussi. Une affaire à régler de mon côté. Le clerc lui-même souhaite que quelqu'un prenne... Dites-vous. Mais je sais pas, j'ai pas eu le temps de lire ce que tu m'as dit. Mais oui, d'accord. On n'entend pas beaucoup les voix. Indiquez l'endroit, il s'agit d'une entrée secrète. Oh merci bro! Elle vous conduira à Guranke le clerc bestial. Bon rouge, j'ai un symbole. Oh, j'ai un symbole. Oh! Oh, le portail! Oh, d'accord, oh là là. Oh là là. Ok! Thanks bro! Je reparlais aux gens. Ouais, ok, toi je te connais. Oh mais toi, c'est vrai que t'es venu, mais je sais plus qui t'aime, mais je me rappelle que je t'ai vu. Et bon de vous revoir, je me nomme Roderica. Je t'ai jamais vu donc. J'aurais dû me présenter plus tôt, cet endroit est incroyable. Je m'assure de la table ronde, quartier secret, des deux doigts. Pardon. Permettez-moi de vous exprimer ma gratitude. Ah voilà, ça, je veux bien des cadeaux. Ah bah si, je la connais alors. Mais pourquoi elle se présente maintenant? Oh, une graine dorée. Merci. Merci Nana. Merci Femeux, c'est trop sympa. Pour ma peste, pas comme le biatch là qui m'a piqué ma life. Même si on a baisé, ça se faisait pas. C'est vrai que vous avez progressé, que vous progressez, excellent. Ah non, mais non, non, toi, je t'aime pas. Attends, je m'en vais. Oh, mais il y a quelqu'un ici. J'avais jamais vu. Désolé, j'ai tout pété. Que voulez-vous, je n'ai guère de temps à vous consacrer. Enlever ton masque, déjà, t'arriverais un petit peu mieux à lire et tu gagnerais du temps. Comment ça, nos vies, c'est... Ouais, c'est injuste d'être traité comme une note de passage. Oui. J'aurais bien avisé de vous rappeler les premières paroles que je vous adresse à la grâce, pardon. Tenez-vous devant le cercle de Eden et devenez Dame Elden. Dame d'Elden. Je vous revête la moindre importance pour vous, laissez-vous guider par la grâce. Terrassez les porteurs de fragments et emparez-vous d'une ruine majeure. Accomplissez cela et les portes de la chambre intérieure de la table ronde vous seront ouvertes. Alors et alors seulement vous recevrez la sagesse des deux doigts.
Je vais reparler au cas où. Ok, c'est bon. Ah, moi j'ai tout pété moi. Ah, je peux pas utiliser mon épée. Mais je m'en fous, elle fait quand même des dégâts. La petite pointe là. Tiens, plus qu'elle se délivre. J'ai cassé tes bouquins. Les fantômes. Bonjour Alsei. Qu'en fait on est ni semi ni homme, mais des gens, les gens ont mal compris. Ah, des ni semi ni homme, ni semi ni homme, c'est bien ça. Pourquoi ça fait sourire? Parce que c'est deux doigts. C'est rien. Offrir une perle, tiens, j'en ai pas acheté. Non mais c'est rigolo. Ah, je devrais m'acheter ça. Mais je vais pas le faire tout de suite. J'achète rien. Eux ils m'arnaquent eux. Moi je peux pas te parler, non. Lire un message. Bord au bord, seigneur. Ah mais cette pièce était fermée avant, elle vient de s'ouvrir. Je viens juste de réaliser. En fait avant, je peux pas y aller. Je suis pas très nouveau encore ici. Ah va, eh. Faut faire une pause un peu, non? Toi, tu es assis juste tout le temps. Moi, jamais. Et je m'en un peu profiter d'un endroit de calme et confo. Il va là. Bonjour, l'âme crabe. Oh, il est mort. Je suis venu à pas si longtemps. Peu importe, ça change rien. Voir vos armes. Oh, Roderica, c'est qui Roderica? Vous avez amené ici. Elle est douée en harmonisation spirituelle. Ah ouais, je connais ça, ouais. Harmonisation spirituelle. Marc, en tant qu'astrologue, c'est mon truc. Alors, renforcer une arme. Renforcerait bien. Alors attendez, je peux faire celui-là. Ça fera 40, 11, 128 en bonus de sorcellerie. J'aurais 140 en bonus de sorcellerie. J'aurais 32 plus 13. Ce qui est pas top. Et ça. 10 plus 8. Oh, c'est pas top. Peut-être que je teste celui-là, non? Parce qu'on m'a dit c'est le bonus de sorcellerie qui est important et là j'aurais 140 de bonus de sorcellerie. Toujours pas compris ce que c'était que ce truc, mais apparemment c'est bien. Mmh. Pourquoi je suis là, je suis plus du tout que... J'ai fait 39 plus 10. J'ai fait 31 plus 12, ouais quand même hein. Grosse différence, hein. Je crois que je peux faire les deux en vrai au pire. Après c'est un peu du gâchis. Un sondage, on choisit pour toi. Et confiance. Mais non, parce que je vous... Il y a que ceux qui connaissent le jeu. Si vous faites ça en random, hein, vous n'allez pas m'aider. Hein. Et puis bon, quand tu dis « et confiance », bah bizarrement, c'est l'inverse qui se passe. Et confiance. Mais j'ai de la... C'est un renforcement de sorcellerie. Ah vas-y, je reste comme ça pour le moment. Mais je peux encore améliorer. Franchement, je vais encore améliorer en fait. Tu
serais étonné. Bah dis-moi juste. Pas besoin de sondage, on peut s'exprimer. Nexis, hein. Alors. Joueur, alors je peux te conseiller en plume et flèche à l'arc. Et bâton pyrotechnique, c'est du chien. Ah, vos petits trucs qui pètent de partout, ça, moi je connais pas. Hein. Oh, moi, les feux d'artifice, c'est pas mon délire. En plus, ça brûle un peu les doigts. Non, c'est chiant. Non, mais en plus, là, j'ai du renfort. Améliore encore au pire. Hein. Je peux l'améliorer encore. C'est bon, j'ai amélioré au niveau 6. Il va être puissant, ouais. Waouh. Où cette porte? Mais j'ai déjà vu cette salle, moi. Je sais plus. Je vais y aller. Ah mais oui, il y a un petit machin là devant. Examiner. Oh, j'ai plus que les mêmes pierres. Oh non, qu'est-ce que c'est? Peut-être en acheter, mais il y a un coffre là-bas, regardez. Oh bordel, il y a un coffre. Je vais voir si je peux acheter une clé de pierre. Les lames de pierre. Voilà. Ils vendent des trucs. Arrête de... Cendre de guerre. D'accord. D'accord, d'accord. Ah, attendez. Je pouvais faire un truc. Ah non, je pouvais dupliquer, mais on s'en fout. Oh, je te vendrai des trucs quand j'aurai besoin de sous. Ah, pète-toi, t'es méchante. Ah, elle veut mes fesses. Tu parles pas de toi, hein. Tu veux rien me vendre? Peut-être que j'ai tout pété chez toi, quoi. Il faut pas beaucoup, hein. Le monde est compliqué à l'extérieur. On n'a plus eu le temps d'être... d'être rancunier. Ah, voilà vous! Vous vendez pas des petits trucs à pierre? On n'en est pas... Ah si, bah voilà! C'est vachement cher! Oh là là! Je m'en chure ça, mais c'est pas grave, c'est ce qu'il faut. Inventaire. Utiliser un comme ça. 800. Utiliser mince. Moi c'est 400. Et c'est quoi, c'était 3000. Il y a encore deux comme ça. 3000, hein? Oui. Ok. Et puis un petit maintenant. Oh la vache, regardez quelqu'un! Il est trop. Oh là là, il a une tritête! Oh, il a une tritête! Il a une tritronche! C'est vraiment nul. 4000! Maman, j'ai mal lu! Pas grave, pas grave. Commentaire. On va refaire un comme... Non, je vais faire comme ça. Utilisation multiple. 3. C'est bon. Et du coup, on va retourner là où... Là, on a vu le truc. J'ai déjà oublié où c'était.
Ok, c'est bon. Waouh, y'a un coffre. Mais qu'est-ce que je m'en fous de ça? Pourquoi je trouve jamais de bâton? Je trouvais tellement d'armes et des trucs. Oh, il m'en faut une autre. Y'a quoi là-bas? Oh ouais, y'a un autre coffre. Ah, ça m'emmerde. On va chercher le coffre. Après, promis, on fait d'autres trucs. Là, c'est important, là. Moi, je veux du loot. Moi, je veux du loot. Du loot. Du loot. Moi, je veux du loot. Alors, est-ce qu'il y a pour un truc qui te servira sans doute? Ah mais par contre, attends, je peux peut-être leur vendre des trucs. Vous là. Acheter, oh, merde. Et je vais vendre des trucs. Non, pas ici. En vrai, j'ai plein de trucs dont je me fous, j'ai plein d'armes que je peux pas utiliser. Profitons-en. Attends, je vends. Alors ça. Garde ça. Combien tu l'as mis? 8. Toujours une d'équipée, ça m'énerve. Des moyens, ça? Je vais en vendre un. Ok. Le casque, lui, par contre, il est lourd. 7,1. J'avais pas vu, j'avais ça. 23, 9, 8. Ah. Je suis nul en fait. Je crois que celui-là est plutôt léger. Je vais vendre celui-là. Ah, j'ai plein de tenues. Oh, elle est moins lourde celle-là. On va tester des nouveaux trucs. Je me suis pas rendu compte que j'avais plein de choses. Oh, qu'est-ce que c'est? Le coup critique restaure des PV. Oh! Mais c'est trop bien! Je veux trop utiliser ça. Et ça, je vends aussi. Ça me sert à quoi ça? Des fragments de ruines. On va vendre un peu, hein. On va vendre une dizaine. Pour ce que ça rapporte en vrai, je pourrais éviter. Ok. J'ai combien? 3004, ça va! Inventaire. Hello! Ilizn. Hello, Ilizn. Comment ça va? Eh ben bien, j'essaye de comprendre comment marche cet endroit. Oh non, mais il y a des coffres que j'ai découverts à des endroits et je veux les avoir, mais il me faut des clés. Je cherche les clés. Il est sorti par la bite, celui-là. Merci pour ton follow, Ilzin. 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 Bienvenue. Alors. Tac. Tac. Franchement, c'est la dernière que j'achète. Après, on se débrouille autrement. Est-ce que les stocks sont restaurés? Intéressant de le savoir. Parce que oui, hein. Genre la prochaine fois que je viendrai, il y aurait de nouveau des clés, hein.
Oui. Peut-être pas. Ah si, tu joues à quoi? À Elden Ring. Je savais pas qu'il y avait encore des gens qui savaient pas, qui connaissaient, qui savaient pas reconnaître le jeu. Il a été tellement partout. On a pas assez... Quoi? Et je l'ai bien acheté, hein. Et j'ai fait tout machinalement, je me suis peut-être pas rendu compte. J'ai fait une bêtise. Alors, clé, lame de pierre. Il m'en faut deux. J'ai clé, lame de pierre, oui. Il m'en faut deux. Je viens la première fois. Pourquoi je peux pas? Bah, j'ai vu la première fois. Bon. Écoutez, on va essayer d'en avoir une naturellement. Il en faut deux. Mais sérieux, mais il me dit même pas qu'il m'en faut deux là. Oh, il me fait peur. C'est quoi ça? J'ai acheté quoi en plus? Outré. Bon, on se casse. Ah, je suis outré un max. On va essayer. Vous savez quoi? Je vais juste aller. De toute façon, faut que j'aille à la marque là. Du coup, on va se taper là. Et en même temps, je vais essayer mon nouveau bâton sur le mob qui est devant. Mais je suis désappointée, hein. Je suis tristoune. Quand est-ce que j'aurai une cendre de guerre pour ce putain de bâton d'ailleurs? Je vois aucun changement. Hein. Je vois zéro changement sur les dégâts que je fais. Genre, je l'ai amélioré 15 fois là. Non, je suis trompée. J'étais un petit peu, j'ai joué un petit peu avec le feu. Ah, je suis triste. Eh, mais j'ai plein de runes. Je l'ai pas acheté en fait, on dirait. J'ai 5000 de runes. Alors que j'avais acheté de la lame pierre machin. Je l'ai pas acheté, attendez le... Est-ce que je l'ai pas acheté? Alors je faisais pas attention à ce que je faisais en vrai. Non, je l'ai pas acheté. Bon, c'est pas grave. Il est bien amélioré mon bâton du coup. 6, putain, mais il y a zéro diff. Il y a zéro fucking difference. Voilà. Alors, nous, où que c'est-il qu'on va? On va par l'eau. Let's go. Je peux monter d'ici déjà. Pourquoi mon machin il brille un peu? Il y a peut-être... regardez, je suis toute pimpante. Pourquoi je suis toute pimpante? Pourquoi ça me fait des trucs shiny autour de moi? Trop shiny quoi. Wouhou! Ah mais c'est ici en fait. Oh, j'adore, mais cette ambiance, c'est trop beau. J'aurais demandé à son père, les pauvres loups. L'entrée secrète. Ah, elle est là, l'entrée. Je peux pas mettre ma map. Ah oui, parce qu'il y a un loup.
Ouais, d'accord. Faut que je descende du coup. Planter pour rien. Pas grave, on explore, on explore. Oh. Oh, c'est ça le petit portail. Ah, le micro-portail quoi. Vous pouvez utiliser le menu message pour laisser des messages. Ça c'est bien ça. Carte draconique. Oh ah. Ah. Là. Ah. Pourquoi je suis là? Oh waouh. Waouh. Oh waouh. Ok. Ouvrir ? Ah, je peux ouvrir. Mais ça a l'air fort sympathique ici. Waouh. Ce serait une super salle des fêtes. Attendez. Voilà. Hop, 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 hop. Y'a quelqu'un ? Non, trop déconne. Et puis en plus, j'ai une petite voix. Y'a quelqu'un ? Allô ? Oh ! Allô ? Ah, là, c'est pas mal. Bon. Elden. Elle s'appelle Ellen. Non mais je vais pas le tuer. Bonjour. Et... impressionnant hein. Je vais aller... Vous savez quoi? Je vais me reposer d'abord. Avant de commencer cette conversation. J'ai l'impression... Bon peut-être. J'ai l'impression que je vais devoir me battre. Et je vois le mal partout. Le problème de ce monde envahi de tristesse hein. Je pense que je peux même... Voilà. Là, c'est bien, là. Bonjour. Je m'approche. Oh, je te donne la morte fleur. J'en ai qu'une. Eh, j'en ai qu'une, hein. Faut pas la gaspiller. Sans la mort. Oui, moi. Apporte-moi plus de mort. T'accorderai mes yeux. Griffe. Nourris-moi encore. Un saut de griffure. Œil de bête. Voilà, voilà. Je peux encore vous parler ? Peut-être qu'on peut, apprendre à se connaître. Ah, il me dit la même chose. Ok, ok, j'ai compris. On est pressé de manger. Alors. Alors. Ah oui, j'ai eu un saut. Je veux voir ce que c'est. Et puis là aussi, je veux changer un truc. J'ai quoi? Dégâts de foudre. Mais ça, finalement, je vais remplacer par... Alors, l'œil, c'est quoi? Monte la vigueur, l'endurance, la force et la dextérité, mais également les dégâts subis. Ah mais ça c'est un autre truc, c'est pas le même œil. Expansion du scorpion, augmente l'attaque sacrée mais réduit la résistance aux dégâts. Attaque sacrée. Les coups critiques restaurent les PV, ça j'aime bien. On va prendre ça. Ensuite... Je vais déséquiper, ça m'énerve. Et... Il y a eu un saut. Il est où le saut? Where is the saut? Oh, une pierre explosive. C'est vrai que j'ai ça, moi. Je dis jamais. Hein. Une pierre gravitationnelle aussi. On est des maîtres de marché aux œufs.
s'il y en a qui vendent du lait, je vois pas pourquoi je pourrais pas vendre des bêtes. Ah voilà, c'est l'œil de bait. Pensez trembler à proximité d'une mortefleur. Ouh, d'accord, d'accord. Mais si je lui donne d'autres mortefleurs, il me donnera un autre œil qui repère des mortefleurs. Intéressant, mais on évoluera pas. Mais voilà, c'est ça. C'est quoi? Un truc que je peux pas utiliser. Merde. Pourquoi? Pourquoi moi, mes cadeaux sont toujours pour en fait d'autres gens? Bon. Est-ce qu'on le tente ou bien? Désolé, je t'attaque un peu de manière gratos. Oh, tu es friand. Ça ne servait à rien d'améliorer mon bâton. Ah, je peux peut-être faire une invocation. Oui, je peux. En effet, assez intéressant. Allez, ce mi-homme. Petit truc, il se mi-main. Ça fait mal, non? C'est avant tout du spectacle. Hein. Ouh, il tue mes semi-mains. Don't kill my semi-human. Oh, il les éclate tellement. Un peu qui est bleu en fait. C'est un peu un loser en fait. Oh non! Ah! J'avoue, je. Et le retour de bâton. Non mais vous avez vu? Enfin non, vous pouvez pas vous rendre compte spécialement, mais je vous promets, j'ai pas du tout l'impression de faire le moindre dégât en plus. Pas le moindre! C'est putain de cocasse ça quand même. En vrai, on pourrait retenter Godric éventuellement. Non mais vous me gênez. C'est plus par curiosité hein, parce que je sais que je tuerai pas. Hein. Oh, il les a lavés en groupe. Vas-y, défoule-toi mec, défoule-toi, défonce le ce mur, il va savoir, il va apprendre un peu sa douleur, tu vois. Il va te le payer ce mur, il va te le payer. T'as bien raison. Ah. Mana. Il a fini par m'avoir. Mystery Gaming.
santé mentale s'en est remis du verlan. Le verlan, c'est que pour Mario Tekar. Bon, on n'y arrivera pas. Hein. J'aurais pas du tout assez de mana de toute façon. Mais en tout cas, la petite strat là de se foutre ici, ça avait l'air de mettre en galère, donc c'est bon à savoir. Donc voilà, voilà. On va se promener un peu, hein. J'ai envie de me promener, moi. C'est comme si c'était les plantes étaient un peu des coraux à certains endroits. Gros classe. Ah, qu'est-ce que c'est que ce petit machin? Et ce petit machin? Attention, petit machin! Oh la vache, je fais déjà si peu mal. Ah, ce petit machin, vous avez vu le petit machin? Le petit machin. Ah, il est trop mignon! Oh, pour un vrai méchant! Je veux dire, il va me one shot. J'allais pile poil dire, il va me one shot au moment où il va one shot. Je suis peut-être un peu dans une zone légèrement trop level pour moi. Il pleut à Nice, un torrent avec de l'orage. Eh ben écoute, bienvenue dans le monde des humains. Bienvenue dans le monde des mortels, j'ai envie de dire, hein. Tu dis si j'oublie tout. Je me TP, je pense. Il ne sera jamais passé, lui. Oh si, je suis trop passé. Ok. Eh ben, ce fut fort intéressant. Ah oui, il y avait un truc que je voulais explorer ici. On va y aller. Je pense qu'avec les tornades, je pourrais aller... je pourrais monter facilement. Re, petit glitou! Bon, avant comme d'hab, on va quand même... On va quand même s'occuper de celui-ci. Trop loin. Non ! J'ai failli... À cheval, mes sorts, ils utilisent énormément d'endus. Ça te prie, hein. Mon truc bleu, c'est toujours ça te prie, mais c'est vrai que ça m'utilise une barre entière de trucs, c'est peut-être pas... Une barre entière de mana, c'est peut-être pas très intéressant. Hop. Hop. Alors, on va passer par là. La vie d'Elden et les garçons. Ah, c'est trop de jeux de mots, là. La prochaine fois, ce sera ça mon titre. Elden et les garçons. Ah, mais je suis loin encore. Où il est le... Je vois pas mon truc bleu. Ah si, là. Ok. Wouhou ! Oh, marrant ce truc. Je pense que si j'avais un simple cheval, il pourrait pas faire ça. Mais j'ai un chevache et là du coup, plus d'agilité, plus de beauté. Hein? Et de la bête se met à trembler? Oh, really? Ici? L'œil de la bête. L'œil de la bête se met à trembler. Mais je peux pas passer? Pablo Sipo, pourquoi je veux passer? Je vois pas de statue? Une statue, putain. Non. Vas-y, prends-la. Ah bah là, il veut bien, lui.
Jardin d'Elden. J'ai pensé aussi, mais bon. La vie d'Elden, vu qu'il passe beaucoup de temps en ce moment. Les tortues. Moi, je tue pas les tortues, c'est trop messista. Et c'est une tortue verte. Ok. Et c'est... Et ceci. Tout seul, talisman, mais... Ah, voilà. Accès à récupération d'endurance. Eh, c'est bien, ça aussi. J'ai quoi, moi? Essence aux dégâts magiques. C'est bien aussi. On verra. On verra, ça veut dire je vais oublier que j'ai ce truc là et un jour j'en aurai bien besoin et je, vu que je l'aurais oublié, bah je pourrais pas l'utiliser. Mais voilà, on verra quoi. Ah bon, il y a une morte fleur alors. Je m'en mets là, elle retremble ou pas? Non. Je sais pas à quelle distance. On dit votre l'œil se met à trembler, ok. J'aime bien que la manette tremble en même temps, comme ça je saurais avec l'intensité. Oh! Ah mais oui, c'est ça que je voulais voir, je l'avais vu de loin et ça je me suis dit « Oh, je veux le faire en live, il est trop stylé. » Mais oui, le nocher! Attends le nocher. Il est où le nocher? Allez dans l'eau moi? Non, je meurs, c'est ça? Ça va. C'est gamin. Ah. J'hésite à prendre un invoke, mais en vrai, ça va me demander tellement de mana pour finalement un boss que je peux faire sans. Et j'aime beaucoup le coup de la petite barque et tout, je trouve ça stylé. Ah! Trop loin. Mission squelette. Oh, ça peut être bien ça aussi. Mais j'aime bien moi mes semi-humains, ils sont marrons. Des bruits chelous, je meurs. Bien les bruits chelous. Non, je déteste ça dans la vraie vie, mais là dans le jeu, j'aime bien. Ok, ça va. Racontez quoi de beau? Pas besoin de coup de main? Oh, ça va, il sait bien bannir, ça va. Oh, regardez, ça fait un crâne, il me suit le crâne. Waouh, c'est trop stylé. Ah oui, c'est vrai que je fais ça. Ah, j'ai trop peur. You, moustique. Moustique de 12 kilos. Là, j'entends un truc. On l'entend. J'ai pas besoin de le tuer en plus si je dépense de la mana. Moi je fais ça. Du coup j'ai 9000 machins donc il faudra absolument qu'on aille prendre un petit level. Voilà, je vous le dis. Parce qu'on c'est une équipe quoi. Bon, moi je fais tout et puis vous rien, c'est la team. Comme la plupart des...
Comme la plupart des binômes en cours, quoi. Oh, je prends ça. Un moustique. Ok, c'était. Ok. Même pas, je visite ici pour voir s'il y a rien, mais on voit clairement qu'il y a rien en fait. Donc je sais pas pourquoi je m'ennuie à tuer les mobs. Ok, si c'est ça, ça peut m'instruire. Il y a un message. Non, pas ça. Pierre de forge. Oui. Il va pas y avoir grand chose d'intéressant ici. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas un petit feu de camp là. Genre au milieu. Genre là. Le, il y a un pile poil là. Ce sera un bon endroit ça. Il arrive parfois d'avoir une vraie vie. Mais c'est ça, les autres motos ont pas l'habitude, Crision, que tu puisses avoir une vie. Et que tu puisses être un être humain, en fait. C'est d'où je viens. J'ai pas trop fouillé autour, donc on va regarder un peu. Mais attendez, y'a vraiment pas de feu autour, là. Genre, dans tout ce coin-là, y'a pas un seul feu. Je suis étonnée, je l'ai raté. Attendez, on va refaire un tour. On va faire un tour. Bon, c'est pas des trucs qui sont très cachés. En général, on les voit très loin, mais bon. Gazou. Dans la forêt toute autour, disait ça qui existait. Juste une plante. Je savais. Je sais tant de choses en fait. Comme ça, on va prendre un level. Montée de niveau. Bon. Un peu d'endu, ce serait peut-être pas mal. Ouais, j'en ai pas assez. Je vais faire un peu d'endu. Bon, moi je continuerai bien par là. Mais je vais y aller à pied. Je vais mettre un point genre là. Et parce que bah j'y... Enfin, je sais que j'ai découvert des trucs là-bas, mais je sais pas si j'avais vraiment exploré et tout ça. Donc, au cas où sur le chemin il y a des petites choses, ça nous permettra de passer voir. Ça se trouve, le monsieur en bateau il te fait faire un tour de bateau contre rémunération pour cette attraction touristique de la région. Et surtout qu'il fait ça dans une petite mare. Regardez comment c'est clair! Il y a des racines qui ont pris la tour. Oh cool! Ok. Alors effectivement, j'aurais peut-être pu demander un petit tour. Du coup, son bateau a disparu en même temps que lui.
Alors que moi, mon but était de le tuer pour lui voler. Réflexe, j'aurais fait pareil en vrai. J'adore le bateau. Un gros balèze. Ah oui, je me rappelle. Là, ici, il y avait un... une sorte d'invocation qui arrivait dans notre monde, machin. Et je l'ai tué. Est-ce que j'ai visité, par contre, l'intérieur? Oui, bah oui, puisqu'il y avait ça. Ok. Mais voilà, je suis pas allée plus loin. Oh, mais c'est... les couleurs sont trop classe. Il y a quelqu'un? Non, méchant, je croyais trop que ce serait un gentil. Pourquoi? On a le peuple Gerudo. Arrête! Oh, j'ai raté! Ah, ça, de gardien. Ah oui, je voulais voir pour m'équiper un peu différemment. Attendez, on va regarder vite fait. Là, j'ai une capuche. Voilà. Tous les dégâts sont ultra... En fait, j'ai une résistance négative. J'aime pas que c'était possible. Ok. Ça. Du coup, j'ai trouvé ça et j'ai trouvé ça. Oh, tellement nul, en fait. Ça, c'est bien pour les trucs magiques. La plupart des ennemis que je croise, bah, ils ont ils donnent un bonus de vita par contre de fou. Vitalité, hein, pas l'autre nana qui fait des... Il mit bien. Ok, pas dingue. Ah ouais, attendez, focalisation, je passe de 56 à 7, donc non, clairement pas. Ok. Je fais ce que je peux, je te promets, je fais ce que je peux. Donne combien de dons? Ouais. Un peu moins de 200 runes. Pas fifou. Y'en a plein. Vas-y, je m'en vais. Oh, non, y'a un méchant. Vas-y, je vais là. Alors. Attends. Attends le jeu. Ouais, je vais viser lui. Ah! J'ai un mauvais arme. Quand on change l'affichage, ça donne d'autres descriptions, ça, au niveau des équipements? Je savais pas. Ah ok, je vais regarder ça après alors. Non! Ah! Tout en vue, tout! Du coup, genre, si je vais dans l'équipement,
Je vais enchaîner sur une capuche. Et là, je vais changer d'affichage. Carabée dorée en guise. Portée en guise de couvre-chef. Ces insectes se servent d'incantations pour former une sorte de boule. Réduit légèrement le coût des PC des incantations, mais augmente les dégâts subis. Lorsqu'un scarabée sent la mort approcher, il délaisse son amas de trésors et déploie ses ailes en prévision du long voyage vers son nid natal. Voilà, ça m'aide pas beaucoup! Ouais, ça me donne un peu le côté lore, quoi. Je vous lis. Moi j'ai les esprits mal tournés. Franchement. Never quoi. J'ai trop des sottises. Je te tue. Voilà. Maintenant je vais prendre une potion de ça. Et je vais invoquer. Ça fait trop mal. Allez-y, attaquez-le, attaquez-le, il est méchant. Il est trop méchant. Ils sont fait éclatage, c'est trop des losers. Ah 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 ah. Pardon, excusez-moi. Peut-être prendre autre chose alors. Que mes semi-hommes. Peut-être prendre ma médusa. Oh, je réapparais si loin. Mais oui. Pas si loin. Non, pas se reposer. Non, 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 je voulais pas. Arrête. Et des doigts. Il y a besoin que de deux doigts. Mais ça va rien avoir ça, Infernal Angelus, enfin. Moi je suis Ulox quoi. Oh! Qu'est-ce que c'est là-bas? Oh, c'est un énorme piaf, mais il fait trop peur! Je cherche mon truc moi. Des doigts. Ça n'a rien à voir, ça. Bon. Oh, il y a le truc là. Et toi, j'ai pas compris pour ma part. Mais rien à comprendre. C'est juste... Je suis rigolo. Tu m'as rigolé au terme de doigts et puis voilà. Putain, je vais devoir tout me retaper encore. C'était long. Faudra peut-être que je descende du cheval limite quand je me battrai contre l'autre.
J'ai plus de mana. Il esquive trop bien lui. Ça m'énerve. J'ai plus. Ah, ça m'a redonné de la mana. Voilà. Comme ça, l'endu, ça revient vite. Ok. Vas-y, fais. Je vais peut-être tester une autre invocation. Ah, ça me gratte l'épaule. Oh. Ok. Peut-être sinon les chevaliers. Pas les chevaliers, les... Enfin, le cheval. Ah, quoique le chevalier. Mais non, je vais pas faire ça, arrête. Changer. C'est une préparation de 25 minutes à chaque fois, tout ça pour être one shot. Fiji. Oh mais... Trop bien ce appareil là. Casse-toi, ma méduse. Oh, c'est fait. J'ai éclaté. Oh, mais je suis allée dedans. Quel migod. Mais son épée était au-dessus de ma tête. Je peux pas le faire, mais j'ai pas le level, mais c'est fou! Dire que Godric! Limite, c'est peut-être lui qu'il faut que je tente plus tôt. Il y avait un trou. Encore un trou. Ouah. Oh merde, j'ai choisi ça. Ah. Mais j'ai rien choisi en fait, non? J'ai pas le level, je dirais. Ou les armes, ou l'équipement, mais un truc qui va pas. Oh, je suis level combien, moi? Level 38, hein. C'est beaucoup, non? J'ai l'impression de n'avoir absolument pas progressé au niveau de mes damage. Si les loups avant, je les tue en deux coups, maintenant je les tue en un.
Voilà. C'est une progression. Diamop qui te reste quand même. Mais oui, c'est pour ça que j'arrive pas à avancer. C'est que bah à peine j'avance, je tombe sur des mobs qui m'OS. Du coup, c'est fort peu propice au progressif. Comment je peux faire ça? Ouais, je sais pas trop. Hein. Tenter avec une autre invocation, mais bon. Là, je pense qu'il va falloir encore une fois que j'attende un peu. Bref, faut que j'aille là. Faut dire à mes loulous. Mais bon, je suis fort mitigée. Hein. En plus, faut que je tue tous les mobs avant. C'est très chiant. Ah, j'ai crit là, je crois. Ah, je me dis bien, il y en avait d'autres. Voilà, ça m'a rendu un peu mes trucs. Il y en avait moins là des mobs. Ah, j'ai fait ça aussi. Oui, il y en avait moins, oui. Tout à fait. Non, pas lui, c'est à côté. Ça m'énerve de fou. Est-ce que lui, si je l'achève, mes popos reviennent? Normalement, c'est censé être un peu le dernier mob du groupe. Oh non! Ça me rend pas mes popos. Oh bah c'est giga dead là. Ah parce qu'il y en a encore un. Ouais c'est bon, lui me rend mes popos. Ok. Bon. Bah, je vais retenter mais avec une autre invocation, on va voir. J'étais déloxe. Allez, comment? J'ai pas vu. Grâce à cette émote. Merci. Ok, allez-y les loups.
il en reste plus que deux. C'est ça. C'est mon cheval qui a été touché. Ok, les loups, c'était pas trop mal. Oh merde, sérieux ! On voit les loups. En vrai, ça allait jusqu'à midlife, ça a été effigie. Hein. Ouais, effigie. Je voudrais progresser dans ce jeu. Je suis encore plus proche, c'est parfait. C'est pas la meilleure strat d'y aller en tout doucement. Je le ferai plus. Hihi. Bon. Oh la vache, elle les éclate tellement. Mais putain, je peux même pas partir. C'est affreux. Moi qui t'ai touché, je vais m'éviser, merci. Oups, c'est ça. C'est un peu l'elfe en fait. Bon, je pense que... Je sais pas si ça vaut le coup de s'acharner. Je pense que j'ai plus de chances de tuer Godric que ce truc là. Et pourtant, tu n'auras pas tué Godric. J'ai pas pris. Oh, un petit truc ici. Fiche-toi, meuf. Je peux pas m'atteindre. Ils peuvent me toucher quand même. Je suis parti tellement vite. Un petit repos. Un elfe nommé, je suis un lutin. Ça fait penser à l'aide du donjon de Nullbuck. Il vise toujours ses coéquipiers. Hey loulou, on y va. Ah ! Vendu. C'est pas mort. Et merde, j'ai pris deux fois des popos parce que je pensais à des trucs. Un peu nul. Et c'est pas, j'étais bloqué. Je pouvais pas partir. Ah, c'est, il est tellement chaud ce truc. Mon dernier site de grâce, il est bien en fait. Parce qu'il est dans le petit renfoncement là. Ouais, c'est mieux. Je pense. Il est dans la teugrou.
par là, je vais aller par là. Où sont mes trucs? Je les vois pas. Allez, je regarde sur la map. Je veux pas la map. Super. Ils sont où? C'est pas là. Ils sont où mes trucs? Me dis pas qu'ils sont dans un pot, parce que je suis morte dans un pot, je crois. Je suis pas dans la merde, tiens. D'accord, j'appuie plusieurs fois, elle a pas, jamais voulu faire un truc. Alors que l'enduit était revenu entre temps. Ah, je suis coincée. Ils peuvent pas m'attendre. Un petit truc qui vole, ça me perturbe. Si je perds, c'est exclusivement à cause de ce truc qui vole et qui est très très perturbant. Il est perturbé en fait. Put. Je peux avoir de magie, je fais deg. J'ai trop deg en fait, trop deg la meuf. Ouh là là. J'ai un peu peur. Faut que je me tire. On a battu derrière l'arbre déjà. Tu peux rafoutre avec ton pollen. Tire-toi avec ton pollen. Espèce de loseuse. T'as peur de ton pollen. Fais les steaks de ton pollen. Ah ah. Antihistaminique ma gueule. De ton pollen. Il est où? Il est où là? Il est où la plante? Il défonce moi! Coucou! Et presque morte hein! Faut pas que je lâche! Ah, non, c'est pas malin!
cul alors qu'elle est morte. Ouais. Trop content, tu trouves fort. Ouais. C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Oh ça on le savait. Ah si. Ouais, c'est trop cool. Merci beaucoup Internet. Ah, on reste bien dans l'ambiance. Désolé, c'est un peu fort. Merci. Merci beaucoup Infernalo pour ton 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci, merci. Ah, trop cool, on l'a eu. J'ai jamais douté. Je loot un petit peu. Oh merci pour vos encouragements, merci beaucoup. Waouh, il est trop classe. Pour avoir ses armes. Il y a un gros pot. Un gros arbre. Oh. Ah ! J'ai fait B et du coup ça fait... Mon cheval a fait Nawak. Opinion toxique hein. Merci. Bon. On va aller ici hein, du coup. On va aller se poser et puis on va explorer ce truc. L'arbre mojo là. Oh non, pas eux encore. J'aime pas. Attends. Ok, ça va, je l'ai repéré. On va où d'abord? On va là d'abord. Oh putain. Ils ont des skins stylés, moi j'ai des skins tout dégueu quoi. Oh, oh il y a les tumeurs. Je vous... Ah, ça m'énerve. Oh là, je m'en vais tellement. Comment je vais aller là-bas. C'est bien là-bas. J'ai 16 000. J'ai beaucoup. J'ai vraiment intérêt à les récupérer. Plus de 16 runes, c'est pas mal. 16 000, ouais. Intérêt à déconner. Hein. Ah, j'ai déjà failli crever là-dessus, quoi. Ok.
Je vais récupérer RKL. Ça ira bien. Ouais, ouais, on va vite les récupérer. Là, je suis pas rassurée. Et on va se barrer après, direct après. Pour aller vite les dépenser. En zéro risque. Je me tire. C'est bon pour vite crever. Yo Gwenno, what's up? Va. Explore un truc un peu galère. Mais on a full rune, on va aller très vite les dépenser. T'as pas des anneaux sacrificiels, un truc du genre, équipé pour garder tes runes quand tu meurs? J'ai une sorte de branche. Effectivement, mais je vais juste les utiliser. Hein. Monter de niveau. Je vais mettre en intel. Comme d'hab. Et je vais... il me faut 8000, donc je vais utiliser des runes. Des petits trucs comme ça, là. Merde, je vais faire utilisation multiple. Voilà, et là je remonte de niveau. Ah non, il faut 9000. Ah oui, quand même. Quand même. Faudrait jouer aussi pour les objets à fabriquer, mais je fabrique rien. Je crois qu'il manque juste 100. Voilà. Pour le seum, genre pendant que j'étais un match de hand cet après-midi, et ben en balade, ma mère a croisé la sœur de Alf. Vraiment par hasard. Alf, c'est mon chien. Du coup, pourquoi t'as le seum? Et là, je mettrais bien un petit point en vigueur en vrai. Je pense que ce serait bien. J'en mettrai pas beaucoup, je pense que je m'arrêterai à 15 pour le moment, mais... J'ai loupé la retrouvaille. Ah! Wow. C'est leur moment, hein! Mais d'accord, je vois. Alors moi j'ai trop le seum, j'ai un mémoire de 70 pages à rendre quoi. J'ai pas encore commencé. Chacun son seum. Tu parlais du Alphaline qui bouffe les chats, mais moi aussi j'étais là, mais qui s'y raconte? Il a rencontré la sœur d'une marionnette? Oui, il m'a eu. Il y en a un autre de l'autre côté. Mais j'en fous de ça. Ah, je peux pas le... Oh, mais non, mais il me fait rien looter. Ok, on dead. Ah, je savais tellement.
Oh, il a une tronche différente celui-ci, non? Oh, il avait une tronche... bizarre. Une tronche de chien alligator. Ah! Faut que je crie pas. Excuse. Je crois que mon copain est parti se coucher, donc faut vraiment que je me calme. Dead. Il est nul. Non, de penser tout faire quelque part. Et eh ben, ça a bien foutu le bordel en tout cas. On entend d'ici un gros bordel. Le Delbor. Moi. Ah oui, si, je vais aller me healer. C'est pas plus mal. Avant de passer de l'autre côté. Oui, c'est pas plus mal. Mmh. Je crois parce que... Ah, il est... Par rapport à lui, il a la même couleur. Ah oui, c'est pour ça qu'il s'appelle Alf, parce qu'il a la couleur de Alf. Je vais tellement aller redormir. Je crois parce que je sais que c'est un alien qui a une petite trompe, mais après, je sais pas si moi je laisse ça parce que j'ai jamais regardé, parce que je suis trop jeune. C'est bien à mettre parce que... oui, non, j'ai jamais regardé non plus. Mais j'ai vu une vidéo de JDG sur... le jeu Alf, alors maintenant, venez Alf. Encore se regarder aujourd'hui? Oh non, ça doit pas se regarder aujourd'hui, attends. Les trucs avec les vieilles marionnettes là, ça se regarde plus, c'est sûr. Déconner. N'importe quoi. Mais je sais pas à quoi ça m'avancera. Hein. Je vois pas comment monter. Il y a un truc qui s'est ouvert quelque part. Ok, mais quoi? De le viser, mais évidemment ça a jamais voulu le viser. J'arrive pas non plus. Non, pas ça. Je teste. Oh non, c'est bon. Je venais vérifier pour savoir s'il était bien actionné parce que j'ai vu zéro différence nulle part. Bonsoir, Pook. Je me rends compte que je suis stable à la chaîne. C'est pas qui m'a offert. C'est Trapile. Oui, ça m'étonne pas, il a... Quand j'ai participé au Fight for Sub, et ben il a... Il a offert les subs pour me récompenser de la perf. Il a été adorable de sa part. Je dirais que tu le remercies.
La petite pouc. Moi, je galère à comprendre comment fonctionne cette, ce truc là. Parce que ok, une porte s'est ouverte, mais d'habitude la porte on la voit dès le départ et or là je ne vois point de porte. Du coup bah c'était pour. Il faut que je m'arrête à un étage en sautant. Désolé, je tourne la caméra vite pour voir. Non. Ça aurait pu. Je m'en fous de la tâche. Et je voulais vérifier que ça passe un que tout. Bon. Du coup ça. Je pensais faire quoi ici? Même si je tue tous les mobs, je pourrais même pas monter. Ça sent le merdier ça. Tiens, toi je dis. Non, c'est eux que je veux. Non, je visais lui là-haut. Vise-le là-haut. Il veut pas. Lui, il fait mal au mob. J'ai l'impression. Oh, je lui fais tellement. Non, mais je leur fais rien. C'est beaucoup trop chiant. Et je vais essayer de débuter. Écoutez, je sais pas, ça va me prendre. À combien de temps ça va me prendre, mais je vais essayer. Allez, allez, change d'arme, allez! D'accord, pas du tout marché. Oh, le sac à PV, quoi! Fallait que je mette deux coups là. Tellement. Oh putain, j'avais pas vu qu'il aurait fait une. Et c'est parti. Pas rien du tout. De verre, bref, super. Oh, ça c'est vraiment super. Une autre là-bas, peut-être que si je la tue, ça me redonnera mes popos. Oh, c'est un crabe. Je me dis, oh, j'en ai one shot une. Oui ça va, j'essaie de comprendre comment marche ce donjon. Pas simple, simple. Question gastronomie. Oh là là, ça fait tellement longtemps, je sais pas où sont mes trucs. Alors. Attendez, je vais essayer de faire ça quand même. Ah non, ça me rend pas mes popos. J'ai plus du tout de popos de magie. C'est tellement des sacs à PV, ces petits trucs là. Oh, j'arriverai pas. Ah non, arrête de viser. Oh, dans un corruption. Même là? Oh merde! Ah
Confection et carré de bas, nice. Je vais juste crever en fait. Bah ouais, non, y a forcément autre chose à faire là, je cours pas. Alors, question gastronomie. À quelle époque la laitue fut-elle introduite en France? Bah dis donc. Ah, j'allais dire, ils ont une date précise pour ça, mais non, c'est pas du tout une date précise, c'est vraiment une époque. C'est très large. À votre avis, à partir de quel moment on a commencé à cultiver de la laitue et à en manger en France? J'ai oublié. Aussi, hein. Au Moyen-Âge, tout à fait. Voilà. La première réponse est la bonne, c'est qu'effectivement la laitue est introduite en France au Moyen-Âge. De quel continent la pintade est-elle originaire? D'où vient la pintade? Guerre de 100 ans, elle fut introduite par Franklin. Sacré Frankie. Faire comment ici JPP hein. Je vais peut-être pas comprendre. Je me mets là, ça va mieux ici. Quoi, pas un truc à faire avec cet ascenseur. Pas monter un étage en particulier, genre l'étage un peu au-dessus là, je peux pas y aller. Ça va petit Mink? Un truc. Je meurs si j'atterris là. Franchement, je vois plein de traces rouges, mais j'ai quand même tenté. Ok. Mince, je me suis trompé d'arme. Je pouvais prendre l'autre. Shoot. Pas grave. Ok. Sur ce, je vais vous laisser passer un bon stream. Amusez-vous bien, votez bien, prochaine, merci pour ce stream. De qualité, t'abonnez-moi. Merci, petit Gweno. Très bonne soirée à toi, bon courage pour demain. À tout ça. C'est encore de la putréfaction, là. Moi, je peux pas, moi. Ok, c'est bon. Il va y avoir des trucs. Des trucs qui vont pop, des trucs qui vont surgir n'importe où. Il y a un truc qui court vers moi. C'est un fantôme. Fantôme de joueur. Ah. Tu crobes. Pas contre vous, hein, mais c'est que bon. Éviter d'utiliser de la magie pour les petits crabes. Et c'est ça. Et une dorée, alors super bien. Mais ça ne m'avance à rien. Oh, une échelle. Ça m'avance un peu, ça. Émote olive avant de partir. Elle est trop bien. Elle est trop bien.
On peut t'aider l'histoire des deux doigts maintenant. Week-end depuis cet après-midi. En week-end depuis cet après-midi. Ah, je suis passée chez mes parents. Enfin, reçu mon colis, mon premier appareil photo hybride. Cadeau d'anniversaire pour mes 30 ans. La plupart de la famille m'a aidé à participer. Ce cadeau est trop bien. Du coup, tu fais de la photo sur ton temps libre. C'est ton truc. Le petit Ming. Écoute, très contente pour toi. Tu puisses en plus profiter de ton cadeau pendant ton week-end. J'ai bien, j'avais entendu un bruit. Oh, la vache, je me suis fait enchaîner. Oh là là, je m'attendais pas à tout ça. Je peux détester ces carcouilles, mais surtout que là, ouais, elle m'a pas sauté dessus quand je suis passée la première fois. Elle a attendu que j'avance vraiment. Petite biatch quoi. J'en vois une d'ici. La vois. Je prends pas de risque. Et on avance, on va se manier. On va se manier le huc. Je vais même pas tout au fond. Bah les steaks. Je vais déjà chercher mes trucs. On verra si je fouille mieux en détail après. Plus en détail après. Moi aussi, il n'y avait rien à part les petits crabes. Saignement plus attaque en embuscade égale mauvais moment. Mais grave, le saignement, j'ai vu qu'au moment où je suis morte en fait. Déjà. Ah, je prends des risques. Je prends ça. On tire. Allez. Non. Quand même saute dessus de fou. Super, j'ai crevé. C'est pas qu'elle faisait ça. Allez, allez, allez vite. J'essaie en fait de me mettre dans un endroit où j'aurais un peu de recul pour pouvoir leur tirer dessus. Mais c'est très chaud. Mais putain, vite. Elle ne dévisse pas. Et d'une. Elles sont horribles. Pouah, atroce. Tout ce que j'ai utilisé juste pour deux petits mobs. Je n'ai pas du tout en photo, mais je voulais un vrai appareil photo pour m'entraîner dessus. Car si tout va bien, l'été 2023, je vais faire le voyage de mes rêves avec ma famille au Japon. Ah ouais, d'accord. Je comprends. Bah c'est un projet super cool. Tête de diablotin loup. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oh, c'est bien. Mais c'est lourd. D'accord.
Vise-le, s'il te plaît. Vise-le, s'il te plaît. Merci. Ah, dégage. Moi, oh, j'en fous de ça. Bourgeon sacramentel. Super. Oh, sérieux? Je l'ai rambé en vue. Pas vrai, ils disent soit des bêtises les gens. Mais y'a pas de passage dérobé en fait. On a jamais. Tu m'as dit ça et c'est faux. Il n'existe pas. Yo Examinate. Addictif ce jeu hein. Mais il est cool surtout. Il est juste trop bien quoi. Ouais bah je sais pas comment ça fonctionne les passages dérobés hein. La petite exterminate. Ouais, bon j'arrête de taper sur tous les murs. Je me tire, je m'en fous. Viens m'abattre en fait. Je me casse. Ça fait un an que je suis follow ici déjà. Oh déjà ? Tu viens quand tu veux hein. Cut. Allez. J'ai essayé de faire Godric. Non, j'ai pas vraiment retenté. Un petit peu la dernière fois mais sans trop de conviction. Je pense que je vais le retenter parce que bah... Parce que bah voilà, beau hein. Je me fais check, ça, moi ça me fait un an et un jour. Un joyeux followversaire à vous deux. Trop marrant. Trop bien. Monter niveau, je peux pas. Et ben tant pis. Bon. Au moins on a fait ce boss. Tant qu'on est à le retenter mille fois non plus, on a dû s'y reprendre à plusieurs fois, mais je trouve que ça va. Je vais peut-être arrêter la VOD. Ouais. Là elle est bien trop longue. Au revoir VOD. Bisous.